lunes. Yo me llamo Tarzán y la gente me dice, ¿cómo es? El rey de la selva. Ah. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Cuando con mi león. What la techo? What la techno? Ça monte les plaques. Bien, hein. Les plaques qu'on a achetées, faut toutes les monter ici à l'étage. Elles serviront à ici quand l'artisan va venir dimanche pour nous aider à le faire, ou en tout cas pour nous le faire. Et nous, pendant ce temps-là, on a fini de bâcher en bas et on va pouvoir commencer du coup à peindre. Parce que bon, tu peux pas peindre pendant qu'il y a des grosses plaques à côté. Donc là, on monte tout. C'était à deux doigts de pas passer. Hein. Mais pour l'instant, ça passe, donc on est content. C'était dans l'escalier, je crois. Regardez. Ouais, ouais, bon, faut que j'aille les aider, sinon je suis un bâtard. On a quasi fini le studio de Thomas. On a fini le côté de Thomas presque. On démarre le mien. Et c'est quasiment terminé. J'ai de la peinture partout sur les doigts et sur le corps. On dirait que je me suis... que j'ai peint avec le torse. Mais ça a été rapide, on a été nombreux et c'est plutôt cool. Ça met un coup, bon vous, l'image ça se voit pas forcément, mais ça met un coup de frais au mur où certains il y avait des traces. Hein. Moi vraiment, genre avant ici c'était une sorte d'endroit où il y avait des œuvres d'art machin. T'avais la pression à certains endroits, genre ils se sont torchés le cul sur le mur quoi, tu vois, il y avait des marques noires, tout ça machin. Mais bon, là franchement, ça passe propre et je suis content. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on va se poser, on reviendra ce soir. Finale de LDC ici. Ah, on est le samedi. Et puis demain, il y a notre ami abonné qui va venir faire la magie. On a tout monté en haut, mais le local prend forme. Donc si tout va bien, je pourrais m'installer ici, je pense, d'ici 3 semaines. Sachant que j'ai du matériel qui arrive. Regardez, ça arrive lundi. On est chanceux, hein. Après l'effort, le réconfort. Finale de LDC, mes amis. Encore un peu austère, mais dans le setup, c'est pas mal, là, non, Thomas? Ouais, bah là, c'est le début, hein. C'est le tout début, mais c'est le premier jour après la peinture. Elle a séché, finale de LDC sur Projo. On va se mettre bien, alors là t'as encore quelques personnes. Surtout une personne. Un certain Kevin G. Un certain Kevin G. Et là on va regarder la finale. Moi je suis pour City, voilà, moi je me mouille. 15 minutes qu'on est posé. Les premiers dégâts, Victor, t'en penses quoi? Ah moi je pense que... problème de pente de travail. Thomas, c'est ton côté hein. Moi personnellement sur ces 30 mètres carrés tu fais ce que tu veux hein. On met 30 mètres carrés, tu fais ton dessin. Je vais chier, lèche sur le mur gros. Tu fais ton dessin. On t'augmente. Comme ça je vais chier. J'augmente ton loyer, attention, but ou pas? Oh y'a but. Oh y'a but. À deux doigts de me faire striker. Non mais je vais me faire striker. En tout cas ici ça va vraiment être le QG hein. En bas le travail et c'est au-dessus en réalité que ça va être la saleté. Mais l'abonné, la personne qui va venir nous aider arrive demain. Et demain c'est là où sera la suite. On vit une belle soirée là en tout cas hein. Moi je suis pour City. Alors moi je me mouille. De retour à la casa. Au local avec t'as mis un t-shirt gris comme moi, t'as voulu... Attends, comme toi mais surtout... Oh, vacciné. Vacciné, on dit. Ils vont croire que je fais que de la propagande dans mes vidéos, ça ils en ont marre. Hein. Non, en vrai. Du coup, je reviens au local, je rentre de Paris, Zaccaro Live, tout ça, machin. Peut-être vous pouvez l'entendre, mais ça bosse en haut. Et ça a même bien avancé, je crois. J'ai envie de vivre le choc. Il y a les personnes qui sont venues nous aider qui sont en train de taffer. Et j'ai envie d'aller voir ce que ça dit en haut. Donc, petite découverte en inside de ce qu'est devenu. Waouh. Ah, attends, bah, déjà, on va se permettre de saluer. Bonjour les gars, ça va quoi? Ça va, tout va bien? Vous allez bien? Tu vas bien? Ouais. Super? Bien. Je me permets de... Waouh! Phénoménal. Ah non mais le changement il est... le changement le plus flagrant à mon sens, c'est la cheminée. Petit avant après là, le monteur s'il te plaît. Franchement, enfin, merci les mecs, parce que ce que vous faites c'est phénoménal. L'endroit est transformé. Donc, on va enduire cet endroit et on a les plaques pour ça. Et c'est cool, et puis à côté, quand vous comparez à derrière et tout, franchement incroyable. Hein. Avant c'était des murs qui étaient vraiment complètement explosés. Alors franchement merci les mecs, hein, c'est incroyable ce que vous faites. Je vous invite à boire un verre là après, si ça vous dit. Ça vous chauffe? Incroyable. Vous avez vu l'avancée du haut, ça fait extrêmement plaisir, je suis très content. Donc franchement,
ISO Confort, c'est la société du frérot en haut. Je vous mets quelques infos. Dans quelle région il est, c'est du travail net. Je me permets de faire petit coup de pouce. Coup de pub, c'est normal parce que eux, ils m'ont fait un grand coup de pouce. Donc si vous avez besoin dans votre région, n'hésitez pas, Nicolas viendra vous faire les travaux. Et puis de toute façon, je vais en refaire de la pub sur ça d'ici la fin. Mais j'ai également reçu autre chose pendant que j'étais à Paris. Je faisais des acronymes avec JL Tommy. Je pense que quand cette vidéo sortira, ça n'aura pas encore été diffusé, ça sera diffusé jeudi. Donc ça sera très cool. Et sinon, bah en VOD. On a également reçu. Hop, écran x2, donc je vais pas vous montrer deux fois le même, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais également l'écran principal. Alors ça c'est mon pote Capet qui me l'a conseillé. Aucun sponsoring dedans, hein, ça c'est ce que j'ai acheté, hein, comme ça moi je le dis. Donc ça c'est un gros écran gigabyte. En gros je lui ai dit, je vais avoir triple screen, j'aimerais bien avoir deux écrans sur les côtés qui soient les mêmes et qui soient cool. Et puis un écran principal qui envoie sa mère, tu vois, qui t'a foutu 300-400 balles ou quoi. Donc j'ai pris celui-là, bah, qui coûte 400 balles, et qui a l'air vraiment de faire le taf, tu vois, donc qui sera vraiment l'écran principal. PC de stream. Et lui, non, PC de jeu. Et lui, PC de stream. Donc j'ai reçu les deux PC. PC de jeu et PC de stream. Donc on va prendre tout ça. Et le temps que les locaux soient finis, on va les mettre dans une petite cache. Hein, et qu'on finisse de foutre 2-3 trucs ici, histoire que ce soit parfait. Je veux quand même déballer le PC de jeu, histoire de vous montrer la bête. The Beast. Donc je me servirai pour le jeu. Donc pour jouer, etc. Il sera relié via un Elgato, donc la capture card, au PC de stream. Et lui utilisera la carte graphique pour streamer. Et à l'heure actuelle, pour des raisons notamment du fait que les mineurs de Bitcoin vont nous casser les couilles. Non, c'est pas vrai. Mais en partie, bah, les cartes graphiques sont en rupture de stock dans le monde. Et j'ai réussi à trouver un site, mes amis de Cybertech, qui en avait encore. J'ai pu leur acheter la config. Et en plus de leur acheter la config, j'ai de la chance, ils ont été sympas avec moi, ils me l'ont monté plus vite que prévu. La bête, le PC de jeu. Dedans, il y a une 3000... Alors déjà, il y a un beau gosse devant, du coup. Et il y a une 3070. Et il y a également un AMD Ryzen 7X 5700, mes couilles. Bref, tu connais le blabla d'hommes qui aiment bien l'informatique. Et ça me servira pendant plusieurs années. Et à côté de ça, le PC de stream qui lui est là, possède une 2060. Et simplement un i5, un des meilleurs i5, mais i5 c'est pas terrible. Mais de toute façon, je stream avec la carte graphique. Donc à la rigueur, le Proco, c'est pas super grave. Et donc tout ça me permettra de vous faire des streams de qualité. Alors là, pour le coup, on a une petite bagatelle. Hein, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Mais on fait les choses bien. Et on va continuer à recevoir une partie du matos. Je pense que si, parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient terminer jeudi les travaux. Donc jeudi 3 ou 4 juin. Franchement, je pense que d'ici mi-juin max, on est bon. On fera une ouverture cool. Le vlocal. J'espère que vous kiffez. Mais attention Thomas, si tu bouges là, c'est cuit. Hein. On pourra pas installer ton truc. Hein. Il a le bras sous pression. T'es en train d'installer son petit... C'est quoi déjà? C'est ton fond blanc? C'est un fond pour couleur, ouais. Par un fond de studio. Fond de studio. Déjà le petit canapé et tout. Et là, il y a... Elle bosse. Elle donne. Qui va l'aider. Alors ils ont un truc super intéressant, c'est pour ça que j'ai du rouge sur la gueule. Bon après moi je connaissais pas hein, en tant que gros débile. Sûrement vous avez une idée, c'est connu ça, qui est un connard. Un appareil qui permet d'égaliser sur les murs comme ça. Pour que tu puisses avoir les choses droites. Pas comme mon cerveau. De quoi, tu connaissais genre toi? Ouais, je connaissais, moi je suis dans le bâtiment depuis 15 ans. Ah. Je confirme. Tu confirmes? Il est dans le bâtiment depuis 15 ans. Ouais, c'est connu à la bétonnière. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal hein, je crois que c'est good. Hein. Ah Toto, je crois que c'est bon hein. En fait le truc c'est qu'au début t'installes ça, moi je me dis c'est pour de la photo artistique, quand je vais commencer à avoir des actrices porno défilées, je vais commencer à... Il va faire de la lingerie fine et tout, je vais être là, c'est pas tout bon, c'est possible ça. Ouh, million. Oh là 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 là. Incroyable. Après pour la rouler, bah non, tu... Et après il y a une chaîne là, je vais pas installer. Ah ouais. Mais c'est là. Putain, il est énervé ça, mec. Ouais. Oh, tu veux venir faire coucou? Ah, ok, d'accord. Coucou. Bon, bah, écoutez, voilà. Merci. Ah, si tu fais sur mon père, il va laisser ça, c'est facile. Ton monteur, il laisse mes dames. Passez une bonne fin de vidéo. Bonne fin de vidéo, à la prochaine.